là, se retrouve là. Donc c'est bon, c'est bon. Et ça, là. Là-dessus, là. Ça, c'est là-dessus. Non. 6, 9, ça c'est 6. Tu la retournes comme ça. Mais moi, je le sentais bien. Je suis en phase de rentrage. Je suis nickel. Recule. Comme ça, je vais le faire avec le chariot là. Donc là, on se retrouve dans le main show, donc la salle principale de la future attraction Chasseur de Tornades. On est en train de procéder aux derniers ajustements de la plateforme qu'on a montée durant tout l'été. Donc là, les rangées de sièges ont été posées la semaine dernière, on installe le plancher. Parallèle à ça, on a installé la semaine dernière donc, l'écran LED de fond de scène, qui sera donc notre support pour faire un peu évoluer le décor au fil de l'histoire. Et là, on va commencer avec le portique qu'on a juste derrière nous, le montage de toute la structure écran LED à 360 degrés, donc qui fait plus de 17 mètres de diamètre sur 8 mètres de haut. Donc on va mettre 2 mois à monter cette structure métallique et après venir y poser les panneaux d'écran LED. Pour pouvoir monter donc cette structure écran LED cylindrique, on a installé donc un rail qui fait donc 360 degrés. Sur ce rail, on a posé cette chaise qu'on peut appeler, qui fait plus de 8 mètres de haut et qui va nous permettre en fait d'élinguer et de venir lever les différents supports de la structure métallique qui va ceinturer en fait la plateforme. Donc là, dans cette salle, ensuite, on va continuer à installer tout ce qui est effets spéciaux et audiovisuels, donc système son, donc les différents effets spéciaux qu'on va avoir en salle, du vent, de la fumée, des étincelles. Une fois que tout sera installé, on va passer plus à la phase déco. Donc on va installer sur nos deux scènes, la grande scène et la petite scène, tous les éléments de déco qui vont venir en fait terminer en fait de contextualiser cette histoire. Donc cette plateforme, elle fait donc 15 mètres de diamètre, donc elle peut accueillir 120 visiteurs, on a 120 sièges dessus qui sont répartis sur 7 rangées. Cette plateforme a la capacité en fait de tourner à une vitesse de 27 km/h qui équivaut à 8 tours par minute. Elle est positionnée sur 3 axes qui peuvent se soulever de plus 1 mètre, voire moins 20 cm pour s'ancrer dans la fosse. Et ainsi pouvoir tourner à 360 et en même temps se mouvoir dans 3 directions différentes simultanément. On peut mixer en fait le côté attraction à sensation et aussi immersif. On a les deux en fait. Surtout que selon où on se situera sur la plateforme, l'expérience sera différente. Donc on pourra très bien revivre plusieurs fois dans la journée ou durant le séjour cette attraction et la vivre d'une façon différente. Donc non, c'est plutôt un côté excitant et on a hâte de voir les travaux se terminer et pouvoir enfin monter et tester cette plateforme.
Ça va, tu t'en sors? Je fais ce que je peux. Accroche-toi. Donc, et puis ça fera l'objet d'une, d'un habillage, évidemment, et de quelques mots qui définissent aussi ce qu'est le Selex. Voilà, où est-ce qu'on entre? Bon, écoute, le logo de Bully, c'est pas vraiment l'urgence. Là, par contre, j'ai un souci récurrent sur le Trombix. Il faut qu'on relance des simulations de tornade pour voir si je peux trouver des solutions. Longitude 1,82. Diamètre du vortex, 80 mètres. Température extérieure, 16 degrés. Chargement des turbines. 1. 2. 3. Mise à température de la conducteur à 66. Allez, c'est parti. Vas-y, remontrez, remontrez. Là, je pense qu'on va avoir peur. Hein? T'as pas peur, toi? Je suis Alescorp, chasseur de tornades. J'ai développé un véhicule révolutionnaire capable de traverser une tornade. Donc j'aurai le plaisir. Bonjour, c'est Pierre sur la ligne de l'électrique. Je vous rappelle que j'ai été allé, merci. Bon, écoute, le logo de bus. Alors, c'est chouette. Ouais. Tu veux y aller dedans? Dans le bocal? N'importe quoi! Non, non, non. Ah, mais ouais, ouais, ouais. Non, mais. Non. Si je disais ça, c'est pour aider moi aussi! Oui, c'est pas lui, tu vas y aller. Un dernier truc, j'ai tenté. Tu veux qu'on annule? Non, hors de question. Thank you.
c'est pour voir ce qu'il y a dans la plateforme qui tourne à 360 degrés, etc., avec tous ces axes de rotation. Donc ça, c'est une très bonne machine. Maintenant, autour, on a mis un écran LED de 400 mètres carrés. Donc évidemment, il faut qu'on arrive à avoir les bonnes interactions avec notre plateforme. Et puis, tous les effets spéciaux qui sont par le dessus. Voilà, et l'histoire, il faut que tout ça fonctionne vraiment bien entre les mouvements, l'immersion dans l'image. On a des scènes réelles, puisqu'on a des effets spéciaux, mais on a aussi des vrais décors réels avec des acteurs, opérateurs-acteurs. Donc voilà, tout ça, c'est une recette qu'il faut, faut que tout ça prenne. Et ça, on ne le sait qu'à la fin. On est vraiment sur une attraction qui est au cœur de l'ADN Futuroscope, c'est-à-dire qu'on part d'une idée qui est souvent basée sur les rêves de l'homme. Bon voilà, donc là, sur le thème des tornades, les conditions extrêmes, la météo extrême, etc. Et on va essayer de le faire en sorte que de lui apprendre quelque chose quand il sort de cette expérience, tout en ayant une expérience qui est particulièrement immersive. Et on est vraiment sur une attraction familiale. Enfin voilà, on a vraiment voulu mettre en avant le côté immersion, sensation accessible à tous. Et vraiment dédié ça à la famille, puisque c'est accessible à partir d'un mètre 0,5, donc on a quand même un public assez jeune qui peut y participer. C'était aussi la volonté du parc de voilà, s'accorder vraiment à une tranche d'âge large et familiale. Donc ouais, c'est très plaisant de voir depuis là une dizaine de jours les premiers visiteurs tester l'attraction. Les visiteurs, c'est vraiment la récompense ultime. En plus là, les gens sont voilà, super contents, ouais. Ils applaudissent à toutes les séances. Ça c'est vraiment donc, le truc, quand voilà, qui se termine et que ça applaudit, c'est, ouais, c'est juste la récompense. On peut pas espérer mieux. On attend, hein, et après on fait ce travail pour eux en fait, pour aller chercher ce plaisir, pour aller donner un peu de bonheur à nos visiteurs. Voilà, qui passe un super moment. Donc quand ça on applaudit, c'est top.